la beauté sauvage des monts Wicklow sert de décor à une dizaine de propriétés somptueuses cachées parmi les arbres. Dans cette vallée paisible au bord du Loch Tay, voici l'une des plus belles, le château de Loughala. Son propriétaire est un descendant de la famille Guinness, Gareth de Brun. Il est connu pour ses grandes réceptions, fréquentées par des stars comme Angelica Houston et Mick Jagger. Le château de Loughala apparaît dans plusieurs films hollywoodiens, notamment Le Roi Arthur et Braveheart. Plus récemment, cette vallée a fait office de fjord scandinave dans la série télévisée Viking. Dans le comté de Wexford, les dunes et la longue plage de sable de Curraghclough Strand ont également connu leur heure de gloire. En 1997, c'est elle qui est choisie pour représenter la plage normande d'Omaha Beach dans la scène d'ouverture du film de Steven Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan ». Quant à l'imposante forteresse du château de Trim, dans le comté de Meath, elle apparaît à plusieurs reprises dans le film de Mel Gibson, Braveheart. Elle incarne la citadelle assiégée de York, ainsi que le quartier médiéval de Smithfield à Londres, où le héros William Wallace est exécuté. Construit à partir de 1174 par le baron anglo-normand Hugh de Lacy, le château est alors un symbole de la domination anglaise en Irlande. Dans les années 70, des archéologues y ont retrouvé 10 squelettes décapités. Leur tête a été empalée sur des pieux le long des remparts du château. À la fin du Moyen Âge, la forteresse défend la frontière du Pale, une région d'Irlande de l'Est dominée par les Anglo-Normands et délimitée par une palissade. Tout ce qui se trouve à l'extérieur du Pale est considéré comme le domaine sans foi ni loi des Irlandais barbares. Le réalisateur américain John Ford a su immortaliser la beauté sauvage de l'ouest de l'Irlande. En 1952, le village de Cong, dans le comté de Mayo, a servi de décor à son film « L'homme tranquille », interprété par John Wayne. Plusieurs lieux de tournage sont encore intacts, notamment celui de la scène de bagarre devenue culte. C'est de ce pont que le personnage de John Wayne, un immigré de retour au pays, observe pour la première fois sa famille en cachette. Au nord de Belfast, la côte du comté d'Antrim est le paysage irlandais par excellence. Mais aujourd'hui, les fans d'une célèbre série lui donnent un autre nom, le royaume de Westeros. Autrefois le fief de clans influents, le comté d'Antrim est une région d'anciennes forteresses, de falaises imposantes et de côtes spectaculaires. Rien d'étonnant à ce qu'il ait donc été choisi comme décor de la série télévisée à succès, Game of Thrones. Comme suspendu en équilibre au sommet d'une falaise, le château de Dunluce domine l'Atlantique Nord. Il était le bastion des clans irlandais et écossais MacDonnell et MacDonald. D'après la légende, une partie des cuisines du château se serait effondrée dans la mer. Seul un jeune domestique aurait survécu, assis dans un coin encore intact de la pièce. À 218 mètres au-dessus de l'océan et à 12 km à l'ouest du comté de Kerry, voici l'île de Skellig-Michael. Au VIe siècle, une petite communauté de moines s'installe sur ce rocher. Inhabitée depuis le Moyen Âge, Skellig-Michael est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un nombre limité de visiteurs est admis pendant les mois d'été. Un sentier de 618 marches en pierre serpente jusqu'au sommet. Les cabanes en pierre sèche, en forme de ruche ancienne où vivaient les moines, sont encore presque intactes. «
En 2014, ce paysage devient l'un des décors de Star Wars : Le Réveil de la Force. Il est particulièrement spectaculaire vu du ciel. Ce pic escarpé battu par les éléments offre un spectacle unique au monde. En 1910, le dramaturge irlandais George Bernard Shaw se rend sur l'île de Skellig-Michael. Il la décrit comme un lieu extraordinaire, impossible et d'une beauté irréelle, à l'image de l'Irlande dans toute sa diversité.